Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour connecter une manette de PS4 en Bluetooth et une manette d'Xbox en Bluetooth sur le Steam Deck. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et bien sûr activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc on va commencer avec la manette de PS4, donc on clique sur le bouton Steam, on va directement dans Paramètres, et dans Paramètres on va dans Bluetooth et on active le Bluetooth pour commencer. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur le bouton PlayStation, et bien sûr c'est la même chose avec une manette de PS5, il faut appuyer sur le bouton de PlayStation et appuyer en même temps sur le bouton Char. Vous restez appuyé sur les deux jusqu'à voir apparaître ici une lumière qui va clignoter rapidement. C'est parti. Donc je reste appuyé jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse ici. Ensuite, j'attends que ça apparaisse directement ici, on va attendre. Donc là, ça recherche le périphérique. Voilà, il est apparu. Je clique dessus. Je fais sélectionner. Et là, c'est connecté. Donc là, j'ai réussi à connecter ma manette de PS4 avec le Steam Deck. Ensuite, on passe à la manette d'Xbox. Donc là, c'est à peu près le même principe. Ça va juste changer un petit peu. Donc pareil, je vais dans Paramètres, dans Bluetooth. Et là, je vais appuyer sur le bouton Xbox. Je vais plutôt rester appuyé. Là, ça va clignoter, mais il faut que ça clignote plus vite, donc il faut appuyer sur le petit bouton. Je reste appuyé sur le petit bouton. Dès que ça clignote vite, on va voir que la manette d'Xbox va apparaître. Donc, on va attendre qu'elle apparaisse. Ça va prendre un petit peu de temps. Une fois qu'elle est apparue, elle est juste ici. Regardez bien. Voilà, je vais cliquer dessus. Donc, j'ai cliqué dessus et je vais voir si ça va se connecter. On va attendre. Et elle est connectée. Si jamais par exemple quand vous cliquez pour connecter la manette d'Xbox ça ne fonctionne pas et dans les périphériques recherchés elle disparaît et elle revient, dès qu'elle revient vous allez dessus et vous cliquez sur option et là vous faites associer. Et là vous pouvez voir que je contrôle mon Steam Deck à la fois avec ma manette d'Xbox et à la fois avec ma manette de PS4. Ça me permet notamment de jouer à deux en multijoueur avec deux manettes sur mon Steam Deck ou bien sur un écran externe. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique. Après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.